De retour sur Tesso Radio. Oui, je fais les démarrages. Tesso Radio. Ouais, ouais, ouais. Je vous dis, j'ai une tête de quelqu'un qui, il est 9h22, tu vois, j'ai une tête de... T'es chaud, là, t'es... Il est 19h22, en vrai. Eh oui, eh bien, 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 parce que vu comment on a démarré à l'heure... C'est parce que tu vois plus le 1. Je vois, oui, exact. Le 1 a disparu. Et pourtant, après le 0, c'est le 1, pourtant, ouais, je ne sais plus. Le Kiki Bluff, vous savez ce que c'est? Non, sans doute, hein. C'est un Kiki qui bluffe. Alors, il n'y a pas de Kiki, il y a d'autres jeux qui vous feront rappeler le Kiki plus tard. Ah. Le Kiki Bluff. C'est sponsorisé par Jackie Michel? Non, par xhamster.com, c'est le meilleur site, parce que faut savoir pour la petite histoire qu'on a racheté un téléphone tout neuf avec le président. Donc nous avons des Samsung S21 Plus, alors faut citer d'autres marques, Huawei, Xiaomi, je sais pas quoi là. Ah, il faut que personne nous écoute, on a rien à faire. D'ailleurs, nous remercions Tesso Radio pour l'achat d'un appareil. Ah la vache, bah, alors là. Est-ce qu'il va encore avoir des rumeurs? Là, tu vas lever un truc là. Non, non, on l'a acheté avec nos propres deniers, parce que je l'ai même pas encore payé. Alors. Et, un crédit sur deux ans, mais bon. Et pour tester le son et l'image de ce téléphone, nous avons décidé avec Sébastien d'aller le tester sur xhamster.com. Ok, c'est un site de son. Son, hein. Oui, il y a plein d'animaux. Oh, mais on était ensemble, on a contemplé. On va s'arrêter au son. Je bluffe ou pas? Non, c'est quoi? Le Kiki Bluff, c'est que chacun d'entre vous va faire un petit tour de table. Si vous avez une petite anecdote, on va devoir deviner si c'est vrai ou c'est pas vrai. C'était un peu dans le titre. Kiki Bluff. Oh, je me suis surpassé sur l'explication. Ça y est, j'ai décaloté mon nom. Oh putain. Ok, d'accord. On va commencer. Bon, je vais commencer si vous voulez. Oh oui. Ouais, ouais, c'est un, j'ai eu un petit texto dans la semaine quand, de quelqu'un qui écoutait l'émission qui disait putain on t'entend trop. Donc ah bon, c'est pour ça que je démarre plus lentement, du coup donc je vais fermer ma gueule maintenant. Ah la vache putain. C'est comme ça. En même temps c'est dommage de pas entendre l'animateur. Hein. Oh, j'adore quand tu me laisses l'expliquer comme ça. Le booster de l'émission. Le booster, pour moi un booster c'est un scooter, mais bon moi c'est. Oui, pour moi aussi. Le scooter de l'émission il est là, bon c'est bon, on peut y aller. Ah, c'est bon, on peut y aller. Alors pour le premier Kiki Bluff. J'en ai un. C'est bien. Tu n'as pas l'air de le connaître. Je me suis tapé récemment le crush d'un chroniqueur autour de la table. C'est faux. Bah c'est faux, tu ne mets plus un mois déjà. Ah oh merde. Non, récemment, ça peut être plus d'un mois. Tu t'es tapé le crush? Je me suis... Attends, je te la relis. Je me suis déjà tapé récemment le crush d'un des chroniqueurs autour de la table. Ça fait 3 semaines que je baise plus, mais avant je baisais, hein, je peux y aller. Hein. Oh, ouais, c'est tu peux répéter? Attends, t'es sûr? Il a eu peur. Il y a que deux meufs, c'est ça. Ah non, le crush d'un des... Bah oui. Alors c'est non, c'est crush. C'est flou? C'est faux. C'est faux? C'est flou? C'est flou? Ou alors on s'en rappelle pas. Stéphane, t'as mis ta copine récemment? Attends, y'a un vent là! Ouais, Stéphane, il a pris. Stéphane, t'as mis ta copine récemment? Non, c'est faux. Non, mais il vit avec, je crois. Non, mais je dis c'est faux. Ah, pardon, bah. Bon. Il veut pas répondre à la question. Un dialogue. C'est parce qu'il est dans le doute là. Non, vous pensez que c'est faux? Ouais, c'est vrai. Eh bah, tout à fait, c'était faux. Il était nul celui-là. Sébastien, à toi, fais mieux. Moi, fais mieux. Oh, merde. Je sais pas ce que je fais depuis le début de l'émission, mais. 19h25. Voilà, exactement. Il est tôt. Tard. Tard tôt. Il est tard chaud. C'est soir tôt tard chaud. C'est tôt tard chaud. Voilà. Bon, c'est tard. Une petite histoire. C'est une petite histoire, petite on t'écoute. Histoire. Allez, 5 minutes. Alors, quand j'étais plus jeune. Ah, c'est faux. Pardon. Là. Bon, quand j'étais plus jeune, j'ai failli me faire couper en deux en voiture. Donc, la petite histoire, c'est que j'étais chez des amis de mes parents. Et la voiture était en pente. Et donc, qu'un ami, on est allé dans la voiture, il avait 9-10 ans à peu près. Puis on faisait style de conduire, hein, comme tout le monde, hein, voilà. J'en regardais vers l'arrière, tout ça, je faisais comme les grands, etc. Et on a eu la merveilleuse idée d'enlever le frein à main. Donc ouais. Forcément, comme c'est en pente, bah, la voiture est descendue. Et juste en bas, il y avait la route, il y avait un virage. Et bah, moi, bah, j'étais content, la voiture descendait, donc hop, je retourne tout ça, comme un grand, tout ça, chez mon caïd. Et en fait, au moment qu'on descend, il y a un camion qui arrive dans le virage. Et il est passé, puis bah nous on a eu tout juste le temps de. Bon, la chance, c'est ce qu'il dit, mais. Bon, après, on est tombé dans le ravin après, mais. Un petit ravin. Je trouve que t'apportes pas mal de détails, je dirais vrai, quand même. Mais à 2 secondes près, bah on était mort, quand même. Le tout, c'est de savoir si t'étais coupé en deux, est-ce que c'était plus mieux de garder le bas ou le haut? Le ravin, bah, c'est faux. N'empêche que si c'est faux, c'est un sacré baratier, ouais, hein. Ouais. Je pense qu'il peut mettre une bonne vie. C'est quand même le gars qui a niqué le plus autour de la table. Mais
En tout cas, ce qui est bien, c'est que je suis encore vivant avec vous aujourd'hui. C'est bien. Allez, c'est bon. Rien que pour ça, on va faire une séance. Est-ce que mon kiki bluffe ou pas? Tu l'avais noté, ça? Non. Est-ce que mon kiki bluffe ou pas? Il vient de sortir. Bah, ouais, le blague vient de sortir. Je pense que c'est vrai. C'est vrai. Allez. Sinon, tu m'avais caché ce talent d'enculé. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Ah, bah lui, j'ai pas le coup, mes parents ont un peu peur quand même. Un peu. Un peu. T'avais quel âge? Ah, moi j'aurais dit. De 10 ans, je crois. Ça s'est passé à Puisieux. Ah! Au dernier lieu ou... Pour partir sur Saint-Échambon, il y a un petit virage. T'étais avec qui? Avec Stéphane? Parce que vous faites le mort ensemble. Il t'a pissé dessus quand vous étiez jeune, donc à l'âge de 17 ans, je le rappelle. J'étais avec. Je sais plus comment il s'appelle en fait. Par contre, avec cette émission, je sais pas combien de temps elle va durer, mais je pense que les gens vont. Enfin, on va lire en nous comme dans un livre ouvert, hein. Parce que à chaque fois, on raconte des choses. On s'ouvre. Oh loulou, après, on peut toujours inventer les histoires. Hein. Oui, mais là, c'était vrai, apparemment. On invente les histoires. Petit kikou au bombardement Mélodie, qui était l'émission de la semaine dernière, hein, voilà. Bombardez-moi. Alors, moi, quand j'étais plus petite, oui. Alors pas en taille, hein, parce que ça va beaucoup changer. En jeunesse Ma mère, elle a été appelée par la directrice de l'école pour une bagarre à l'école. Oh, c'est vrai. Donc, faut savoir que ma mère, elle a un site, hein, donc c'est dans la même école où elle était. Sa collègue l'a appelée en lui disant « Tu peux venir dans le bureau, est-ce qu'il y a un souci ?» Il y a eu une bagarre avec tes enfants. Donc ma mère vient dans le bureau en se disant que mon frère avait foutu le bordel et s'était battu. Et en fait, quand elle arrivait dans le bureau, mon frère s'était battu, mais c'était lui qui s'était fait taper. Et c'est moi qui avais cassé la gueule, 3 ans de moins, qui avais cassé la gueule au mec. Je dis vrai, vrai. Oh, la poissonnière de Tesso Radio, je dis vrai tout de suite. C'est vrai. Eh ben. C'est vrai. Très beau jeu de suspense. Très beau jeu. À l'école de. Non, on peut le dire. À l'école Jeanne d'Arc de Lille. Ces messieurs avaient de l'argent. Non. Ma mère était un site là-bas. Ouais, bah d'accord. Donc ça aide. Stéphane ? Oui. Non, moi c'est court. On ne parle pas de ton kiki, hein. Oh, c'est vrai, histoire. C'est... Le kiki bluff après, hein. Alors, à ma première relation sexuelle, je me suis pété le frein. Bah, c'est vrai. C'est vrai. C'était avec elle. J'étais là. Les gars, il n'y a pas de doute, c'est vrai. Mais... C'est le moment où d'ailleurs il m'a pissé dessus et après il m'a fait le mort. Oh bah c'est vrai, j'étais là de toute façon. L'histoire après, c'est que j'ai couru appeler ma mère avec le frein dans la main. Le zizi à la main, voilà. Oui. Et j'ai pissé le sang partout, c'était magnifique. Et j'ai appelé ma mère pour dire oh, maman, je pisse le sang. Ah, c'est pas normal d'habitude, c'est pas ça qui pisse le de là. Le kiki saigne. Kiki saigne. C'était magnifique. Alors moi j'ai pas attendu d'avoir le frein qui se barre, j'ai été voir un médecin qui me l'a coupé. Enfin bref. Moi c'est le médecin qui est venu. Le dossier médical, l'excellent. Ouais, tout ça va. Aujourd'hui, religieux. Tout ça va. Tu trouves un petit jingle pour ça. Le dossier médical, bah ça va, jusque là ça tourne beaucoup ton habite quand même, hein. Les infections. Le mec, c'est une mycose géante. Laura, un petit kiki bluff. Alors, moi, en 2010, j'ai fait un selfie avec Valentino Rossi. En 2010 ouais. C'est trop précis, c'est ça. Valentino c'est trop Rossi. Le vrai Bernard Sandwich. C'est le frère de Tino. C'est vrai. Non, c'est celui qui a gagné plein de fois le champion du monde de MotoGP en Italie. Ah, c'est Valentino ou bien Valentin? Moi, je dirais que c'est vrai. C'est vrai. Moi, je dirais que c'est vrai. Attends, j'ai regardé sur Facebook. Précis, hein. C'est quel jour? Valentino Rossi avec la touffe de Wazi. Il doit y avoir un hashtag quelque part. Rossi, Wazi, ouais. Mais... Moi je dirais que c'est faux, moi. Ouais. Moi je dirais que c'est vrai parce que faut pas dire Valentino Rossi. J'essaie de capter son regard. Peut-être sa mère. Peut-être sa mère, Valérie Rossi, mais. Non, mais non, c'était vrai. Voilà. Ça s'est passé au Grand Prix de France? Au Grand Prix, au Grand Prix MotoGP Le Mans. Donc Grand Prix de France, ouais, c'est au mois de. En 2010, vraiment hein. 2010, oui. Valentino. Bah, c'est vrai que tu nous files la photo, on la mettra sur Facebook. Oui, faut que je la retrouve. Valentino Rossi. Vincent Rossi. Vincent Rossi. Vincent Rossi. Si tu dis qu'un jour t'as mis un point dans le cul à quelqu'un, c'est vrai. Non, mais là, en vrai, je vais parler de Bébert. Bébert, c'est pour dire d'où il vient. Mais en vrai, je sais pas d'où il vient en fait, parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai. Je l'ai eu quand j'étais enfant. Tout ce que je me souviens, c'est que c'était en vacances. Sur un marché artisanal. Artisanal.
Penses-tu, artiste anal. Et c'est mes parents qui me l'ont acheté, donc par contre, me demandez pas où, me demandez pas quand précisément. On comptait pas. Je m'en souviens plus. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'ai l'impression que quand on s'est... Putain, le portable de merde qui vibre. Je crois, je sais pas, j'ai l'impression que c'est ce que tu nous l'as raconté quand on s'est rencontrés. C'est vrai. Ah merde. Ah mais c'est le premier qui bluffe, c'est pas grave. J'avais oublié cette précision. Et c'est vrai. J'ai l'impression qu'on est tellement intime. Non mais quand on s'est rencontrés, je crois que c'est une question que j'ai posée ou Seb, je ne sais plus, mais je crois que tu nous l'as raconté du coup. Je l'ai trouvé. Ça me parlait, tu vois, je t'ai écouté. C'est bien. C'est bien parce qu'en fait, on prend que des kicks qui bluffent, mais on sait déjà les réponses en fait. Oh, le meilleur c'était ma première relation sexuelle, je me suis pété le frein. Ouais c'est vrai. Moi j'étais là, j'étais à côté. Bon moi le rapport avec le titre, Kiki. Kiki, c'est vrai qu'on est très kiki aujourd'hui. Moi j'ai baisé avec. C'est très intime mais bon. Et on finit par le meilleur. J'espère que t'as tout donné Kevin. Et là je te fous une pression. Dis-moi tout. Ben une fois j'ai failli mourir. Non mais en fait. Reste à savoir si c'est vrai. En fait, disons que j'étais proche de la mort. Il était dans la voiture avec Seb. J'étais vraiment très proche de la mort. Médicalement parlant ou. Médicalement parlant, ouais. J'étais dans une voiture. En fait, c'était quand j'étais petit. Elle était inévitable celle-là. Non, ça c'était nul. Non, en fait, quand j'étais petit, j'avais. En fait, on voulait faire une marche avec ma famille. Ouais. Et le problème, c'est qu'en fait, vu que j'étais têtu, je voulais absolument boire au biberon. Tout le temps. Ah, t'étais petit. Oui, j'avais 5 ans. 12. Ah, ouais. 5 ans, tout le temps. Il y avait quoi dans le biberon? Non, c'était. Je buvais du coco. Du lolo. Non, du coco. Et en fait, mon beau-père à l'époque ne voulait pas. Et du coup, il m'a dit tu prends un verre d'eau ou rien. Au début, j'ai fait ma forte tête, j'ai fait non, je veux pas. Et à la fin, j'ai dit oui, il m'a dit c'est trop tard, on fait la marche forcée. Et puis au final, j'ai marché sous la canicule, je suis tombé dans les vapes, et puis j'étais réveillé à l'hôpital, en train de déshydrater et tout. Mais il est très sympa ce beau-père. Il est où le beau-père aujourd'hui? En prison, il est là. Il est encore dans ta famille? Non, c'est côté de mon frère. Ah ouais, chef, faut porter plainte. Il a fait de la prison, je crois. Ah bah ouais, bah ouais, la vache. En fait, on a tellement bu ses paroles que. C'est vrai. Ouais, je le connais. C'est un kiki bluff ou c'est une thérapie? Pourtant, la thérapie, c'est plus loin. Sortir les violons pour Nivelle. C'est les traumatismes d'enfance, en fait. C'est ça, ouais. TSE Psy, bonjour. Non, c'était pour rester dans le thème avec Seb. Ouais, je rappelle que mercredi, on jouera au jeu de la thérapie. Ça te concerne en plus, Sébastien. Enfin, je t'expliquerai ça mercredi. Mais. J'ai peur. Bon, c'est bien pour ce premier kiki bluff, il y en a deux qui ont failli mourir, il y en a qui se pètent le frein, là t'as cassé la gueule à quelqu'un, mais je pense que plus on ira chercher dans nos lointains où on inventera pour les prochains, il y en a mais en fait. Parce que sur nos 7, non, il n'y a que Axel qui c'était faux. Ouais. Oh, mais en même temps, il a dit qu'il avait baisé avec quelqu'un, donc ça, c'était sûr que ça allait être faux. Ouais, puis j'ai pas trop. Je me suis pas. J'étais pas malin parce que je dis à tout le monde que je baisse plus depuis un mois parce que suis malade. Et la première phrase. Le retour. C'est quand il a vu nos têtes, il a dit bon, non, je vais dire que c'était faux en fait. Non, c'était faux. Non, mais cette séquence, elle est bien, je trouve. Merci, c'est une nouvelle séquence. C'est une nouvelle séquence, je dirais pas qu'elle sort tout droit de ma tête, j'étais un peu cherché sur internet. Hein, mais... Après, on passera au décor penché après. Ah ouais? Où ça? On ira à la Côte du Fort et le décor penché. Ah, c'est ce qu'ils sont en train de construire en face des studios, c'est ça? Ça, après l'apéro. C'est vraiment l'enculé. Mais c'est pas faux. On pourra le faire, peut-être qu'on le fera un jour. Mais... C'est parti, Iris Mittner et Claudia Tagbo pour un duel. Non, mais c'est pas. Il y a un petit problème de couleur là. Jeff on a clock. On a du Unique. On va rappeler Unique, elle va mettre un petit peu de noir. Enfin, on se retrouve tout de suite après pour l'appel débile sur TSO Radio. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.